Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous retrouver à ce soir pour un nouveau numéro. Et pas oublier, on suit ça où deux connaît, on connaît ça où deux connaît ces émissions. Paola qui l'a voulu former, informer et transformer. Nous avons un paquet de jeunes talents dans le pays, qui font un travail colossal. Souvent, eh bien, nous ne pouvons pas braquer la caméra sur eux, moi-même, quel que soit la photo, nous allons chercher eux. Donc, son jeune qui a fait un pile effort, il travaille pour un paquet de gros artistes et surtout dans le monde cinématographique. Donc, aujourd'hui, c'est lui-même. Tu vas le recevoir, pas de moment partage choix, tu vas saluer l'invité noir qui c'est Fedno, c'est un producteur, c'est un maestro, c'est lui-même qui est sous plateau. Bonsoir Fedno. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui l'a regardé la vidéo, regardez le téléphone ou pesez subscribe. L'heure fini, pesez petite cloche là. C'est la façon ça oui, pour capable aider nous aller avec ta balle à pilon. Comme sur l'émission, ça ou de connaît. Ça ou de connaît, sur l'émission, capable de nous exactement ça ou de connaît. Des bagages ou des cas qu'on a été mieux, font ça tout. Des bagages ou pas de connaît. Mais nous-mêmes, nous cherchons professionnels dans le domaine pour nous venir exactement ça ou de connaît. Prenons la caille, ou regardez l'émission ça. Pas bien ou à suivre. Je salue tout fanatique SDK, Sao de Bonnet, et je salue tout fanatique Maïsou Fedno et tout. Fanatique fidèle MFD Production, qui a regardé Vengeance de Mama, et profitez-vous un gros coup de chapeau pour staff MFD Production qui campe avec Maïsou Fedno, qui a frappé pour avancement cinématographique. Là. Et Jagan Swam, c'est un plaisir pour nous dans SDK Sao de Bonnet, pour nous partager tout ça que nous connaissons et pour nous faire mon plaisir, pour nous connaître plus de bagailles de Maïsou Fedno, pour nous connaître parcours nous, pour nous connaître comment faire vivre une salle de jeu, pour nous connaître qui souffrance, qui misère, qui toute calamité que nous prenons, pour nous vivre mon jeu. Je pense que nous avons branché, nous avons prêté pour nous capables de suivre Sao de Bonnet. Ce n'est pas seulement pour show pas maintenant, mais pour tout l'autre artiste, tout l'autre réalisateur, tout l'autre jeune qui est talent qui a venu dans la chose, pour nous capables de courir choix, pour nous voir choix. Merci. Bon bagay, donc c'est ça lié de pourtant de ça ou deux qu'on est, au bras qu'on est tout ça ou deux qu'on est, ce producteur là, qui là, donc ça fait un gros travail, j'aime bien qu'on dit dans le début là. Donc j'ai noté capable de garder dans Florian qui t'a publié pendant toute semaine là, et bien qui t'a titré, et bien cadeau ou mérité. Donc, moun fait noyer, est-ce que c'est un cadeau offert, est-ce que c'est son cadeau société à faire, encore c'est un mérite, est-ce qu'il travaille pour ça lié? Avant que nous connaissions si c'est un cadeau offert, monsieur ou bien son mérite, nous avons dit, monsieur, côté le sorti. Pour faire nous parler, est-ce que c'est toujours là où tout vini? Donc, ou encore, où tu es bon travail, bon parcours, bah, sauf fait nous. Bon, c'est que chaque grand monde avant grandi, avant où il est dans l'âge que vous avez au moment ça là, ou tu passes une étape bébé, ou tu passes une étape de 1 jusqu'à 5, 10, jusqu'à ce que vous venez dans l'âge que vous avez. Alors, bah, sauf fait nous pas tout j'en lié, je dis, hein. Mais par contre, c'est tout le parcours qui marque l'histoire, qui marque comme si et mémoire nous, et qui fait nous moun que nous y a. Yes. Et souvent, femme du je dis, pas qu'être jeune, que nous avons travaillé ensemble avec eux, pas penser que tout le bagage va aller bien. Si vous faites nos familles qui sont riches, dis-moi Dieu merci. Mais si vous faites nos familles qui sont pauvres, dis-moi Dieu merci tout, parce que c'est Dieu qui permet que vous faites nos familles que vous voyez là. Yes. En fait, et nous pas de gens que nous y a, je dis, hein. Nous passons un peu le parcours et nous n'avons pas trop de temps de carrière. De 2019, 2020, ça fait 2 ans de carrière, nous avons frappé, nous avons investi, nous avons tout le temps. Nous. Et nous avons commencé dans le pays, nous, la Tibonite, et nous sommes des dunes. Et nous avons commencé à frapper, nous n'avons pas trop bon, nous n'avons pas trop yes, dans nous sommes une famille chrétienne. Et par nous, nous n'avons pas trop le cinéma pour nous. Mais par rapport avec l'amour que nous avons pour le cinéma, nous te mettons une détermination, nous te mettons un objectif pour que nous t'y avancions. Parce que carrière n'est pas trop facile, tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas d'obstacles, tu n'as pas de contraintes. Mais par contre, nous te devons pour nous être capables d'arriver au monde que nous avons aujourd'hui. Nous te devons pour nous être capables de faire ça que nous avons pu mettre aujourd'hui avec la société épanouie. Même que nous n'avons pas de maximum, même que nous n'avons pas de maximum d'applaudissements que nous avons de jeunes. Mais nous disons avec l'amour que nous avons, avec courage, avec le monde qui n'est pas trop. En pile, qui a applaudi nous, qui a dit nous qu'un bilan, nous dit que faut que nous travaillons, faut que nous travaillons jusqu'à ce que nous vivions le monde que nous avons et pour nous garder le monde que nous avons bien. Parce que, en fait, nous passons pas quelques parcours, parce que, nous avons pour nous connaître plus dans le parcours pour nous et dans la discussion que, et le yes. Président de nous a fait.
bon bagage et ma sauf donc se font belle rallye. Donc c'est pas un cadeau jusqu'à présent, donc c'est des années de travaux et bien qui mettait et bien Maestro Fedno dans le niveau qu'il y a. Parce que c'est sûr que et où je n'ai pas de déception. Mais dans toute déception, ça a été quelqu'un qui m'a vu. Parce que nous avons des jeunes qui ont regardé l'émission. Souvent, là, nous venons avec Mounio. Non seulement nous avons parlé des têtes, c'est ou même tout qui est au niveau peut-être 1, au niveau 2, pour qu'on ait Kotoya ou pas carité là ou qu'aller plus loin. Donc, c'est peut-être ça, nous venons avec Maestro Fedno et bien sous plateau pour parler des parcours. Qui est plus grosse déception ou grand Maestro depuis là dans le monde cinématographique? Mon cher, déception pas petit, pas petit, non? Mais comme on dit, qui est plus gros, si nous avons dit plus gros déception que vous alors, et moi, rappelez que on l'a dit, shoot, et quand B, c'était l'année 2020, et puis, on donna le shoot, et puis, semblait que tu as eu des ordres qui étaient faits dans le bas là, mais c'est pas de production par nous qui t'es fait. Alors c'était un produit qui était venu avant et qui t'es fait des autres là. Et puis là nous venons dans le bas là, nous commençons à shoot, et puis le responsable a venu paraître. Et sans dire excusez, sans dire bonsoir, il dit tout le monde flanque au dehors dans le bas là. So, ça a été vraiment dérangé. Et là il dit tout le monde flanque au dehors, et lui, tu as sélectionné une seule production qu'il va accepter pour venir shooter dans ce staff là. Et la production quoi? Et pas de production pas maintenant. Et pour qu'on y a, je travaille pour la production ça. Okay. Avec la production dédiée qui a accès pour venir shooter dans le balance, c'était une production comme si c'était un haut niveau. Que moi-même, moi, je vais te croire. Et là, je dis, tout le monde qui était là pour lui, tout le monde mettait au dehors, ne va pas même venir passer, nous t'apprends. Et puis, regarde-moi, tout le monde apprend à les yeux, Bacadien. Moi-même, qui était responsable, Bacadien, je suis obligé de sortir de cet espace-là. Tout. Mais par contre, et ça pas un découragement pour moi, c'est une motivation qui était et qui fait jeune jeudi, production que dame et responsable a été valorisée, production que elle était comme si comme gros production, jeune jeudi à moi-même m'a travaillé avec elle. Jeune jeudi à m'a produit pour lui, jeune jeudi à comme si m'a bail service pour la production ça, production ça a bien ouais valeur pendant ce temps, non espacioté que moi-même m'a pas là. Bon bagage. Plus grosse déception qui est considérée que bravo, bravo. Et souvent, nous-mêmes, les déceptions arrivent, nous quittons les déceptions, nous nous décourager. Mais déception, ça, elle était motivée plus pour travailler plus. Bravo, Maestro Fedno. Je pense que nous allons connaître plus de bagailles de Maestro Fedno. Bon, qui t'ont respiré avec Albert Joseph. Next, ça, son gros bouton, nos garçons. Tu as mis ces bons encore. Et c'est mis ces gotos. Je vais te suivre, eh bien, au Verbe sans frontières avec Albert Joseph. Yon gros bonsoir pour tout fan inconditionnel ça ou tout konnen. Son plaisir à suivre pour nous porter pour vous yon nouveau numéro dans la rubrique Paola qui c'est Proverbe sans frontières. Proverbe nous pour nous avoir assurance. Cabri, pas mari nan piquet bœuf. Un mot qui semble dire aux amis. Gen de côté ou doit admettre limite. Gen de côté ou pas chame ka affronter. Ça veut dire, soyan, c'est ça ou toujours. C'est tes amis, frères, compatriotes. Joseph Albert, ça ou tout connaît. Bon, bagay, merci avec Zamino Albert Joseph qui se porte bonheur. Ça, bah, nous rete en bas, bon Dieu, la vie a fait pam. Gros coup de garçon, devant l'éternel, nous cassons un rendez-vous Albert Joseph pour dimanche. Mais sauf que nous retournons avec vous. Nous sommes gardés déception, ou sommes dit que déception, les jeunes yo, et les jeunes bagages à eux, au lieu de décourager, mais ils supposent servir un booster pour capable aller de l'avant. Donc, rapide vite, Maestro, qui est bon moment passé depuis le producteur Maestro? Mon cher, bon moment, il y a un pile. Bon moment, il y a un pile. Parce que je suis toujours considéré chaque expérience que je fais dans la vie, et même si vous êtes mal, même si vous êtes bien, plutôt plus pour un sens positif là que pour un sens négatif. Parce que chaque expérience, vous apprenez un bagage en plus pour avancer. Bon moment, il y a un pile. Parce que il y a un paquet de visites que je fais, il y a un paquet de fréquentations que je fais, tout, il y a un paquet de respect que nous joignons, il y a un paquet de l'amour que nous joignons, et je considère ça comme un bon moment. Mais bon moment que je ne peux pas oublier, c'est un moment que je suis shooté de l'organe. Pendant que je vais le l'organe, et façon dont je suis accueilli, ça c'était vraiment extraordinaire. Parce que je suis accueilli d'une façon comme si
nous c'est Michael Jackson, yes. Nous c'est 50 Cent, nous sommes pas quel beau artiste, façon nous mettez accueilli nous, et nous pas quel bon moment, parce que bon moment nous vivons ensemble, nous même entre nous deux, nous vivons Pestel, pendant ce temps nous distribuons et bien nous sommes des victimes dans la catastrophe, et qui dépasse 14 jours, 14 jours, et Yanni ça là, là nous sommes arrivés, nous sommes là, nous sommes tellement recevoir nous bien, nous toujours poser cette question, est-ce que niveau mon de mettre nous est-ce que nous est-ce que est-ce que bravo ça veut dire que bon moment yo en pile et yo marqué nous même gens tout moment qui paraît bizarre moment qui paraît et led yo qui en pile mon ta de comme des défaites même pour comme des échecs pour nous recommencer pour nous avancer bon bagaille et va sauf do bon bagaille et Maestro Jean saute fin garder et bien projet ça un projet bien méchant mais question m'a poser après projet ça Maestro est-ce que jodi là et société haïtienne n'ta mais connait comment moun yo est cinéma est-ce que cinéma et moun yo avec un bon yeu encore yo el mal jodi et cinéma dans pays a comment moun yo et m'a dit ça avec un pile d'amour que m'gagne pour cinéma et moment là en pile artiste yo pa wè cinéma vraiment mais wè YouTube là. Qui ça fait me ka dire comme ça? Parce que cinéma commence perdre rail, il commence perdre et vraiment en plein que il t'a lui. Parce que nan ancien temps, cinéma était toujours existé mais pas de YouTube. Mais t'es toujours comme nous t'es toujours entendu parler d'un paquet de bel artistes. Bel artistes. Et jusqu'où il y a des meilleurs. Voilà. Jusqu'où il y a fait non yo. Jusqu'où il y a sur mon côté on dit est-ce qu'on garde alors, tu as dit, ah oui, oui. Mais il va te connaître des YouTubers. Oui. Mais il fait non. Les gens ont fait cinéma. Mais pourquoi il y a en 2021 là, les gens ont plus envie de YouTuber que de devenir cinéaste. Oulala. Et c'est ça que fait nous-mêmes, en tant que jeunes, nous avons une vision pour ne pas travailler pour YouTube parce que nous connaissons YouTube là, son factory qui est lié. Je dis là, YouTube qui a payé. Je me suis dit YouTube qui doit dire que je ne peux pas payer pièces haïtiens encore. Yes. Il y a plein de sur YouTube. Ça, c'est si vous voulez. Laissez-moi nous dire qu'il y a vie, qu'il y a contenu. Il faut que nous travaillions pour le cinéma vivant en Haïti. C'est que je me dis que, au moment là, le cinéma est menacé. Le cinéma haïtien est menacé. Je ne dis pas que le mouille, mais quand même, il y a un coma. Pour le réveil, ou du moins, pour le cas, j'ai une bonne oxygène, pour le cas, j'ai une bonne soin, pour le réveil, c'est nous-mêmes jeunes, pour bailler tout nous-mêmes. Pour nous dire que nous ne travaillons pas pour YouTube, nous travaillons pour la société, pas nous, nous travaillons pour le cinéma ici, capable de lever camper, pour même le YouTube n'a pas existé, Facebook n'a pas existé, pour le cinéma toujours là, pour que nous capables d'avancer. D'ailleurs, qui ça lié? Nous n'avons même les connaît que la fond projet. Et il invite JD en tant que réalisateur sous lui. Il y a une scène, il y a un scénario, il y a un jeu, il y a un camp de caméra, il y a un jeu. Et puis après, il y a un live sur YouTube, il fait comme ça, il fait l'argent. Il n'y a pas besoin de connaître si il y a bien joué. Si il y a voilà, le script là, il y a écrit comme ça, il n'y a pas respecté. Depuis que le live sur YouTube, sans mon nom, il fait comme ça, il est satisfait. Yes. Mais on ne va pas oublier, en tant que comme si il y a un monde qui fait cinéma, c'est pas celle-là ici qui est sur YouTube là. Majorité de l'autre nation qui a regardé nous ne doit pas comprendre ça n'a pas vendu là. Mais l'image que nous avons vendu là, celle que nous avons écrit à mon nom de Dieu, quand même, à travers de réactions que nous avons joué celle là, l'autre nation a compris que nous avons dit à mon nom de Dieu. Ce n'est pas mon oui.
Mais en plus jeune qu'on a peur entrer dans le cinéma parce que on dit les entrer dans le cinéma ça on va jouer une saison, c'est buzz, c'est discussion, c'est problème, c'est pas en pile, yo dit on va rentrer dans zin. Ça fait ça c'est parce que moun qui dit a fait cinéma ou pas fait cinéma vrai, c'est youtubeur ou yo pas cinéaste. Faut nous capable différencier un monde qui youtubeur ensemble avec nous cinéaste. Cinéaste c'est un monde qui prend sang, qui prend temps, qui paye tout lui-même pour l'écrire en scène, pour l'analyser, pour le voir un professionnel, pour le dire mais seulement OK et puis pour le dire en nous faire scène ça. On cinéaste capable parce que au moins pour le faire seul scène pour le voir pour jouer une satisfaction là-dedans. Et ça fait signe qu'on garde une série de séries étrangères pour la Casa de Papel, on garde là. Et nous, on va le temps qu'on prend avant de réussir la saison. C'est parce qu'on va recobler à chaque fois qu'on a gagné son argent. Mais on va avoir l'argent avant pour le faire. Exactement. Satisfaction, c'est lui-même qui est encore mieux. C'est ça qui prouve que nous avons fait film, il a fait movie pour plus de monde suivre. Le fait que nous-mêmes, on travaille pour YouTube, on a fait un faire buzz, faire ceci, faire cela. On dit qu'on a dit artiste, on a dit qu'on 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 a contempler là seulement si ça l'a prêté sur une plateforme. Yo vrai artiste a contempler le fait que tout œuvre même si que petit même si qu'elle pas là petit il y a bon respect dans société. Donc c'est des artistes qu'on y a même si yo pas attend encore, yo pas jouer encore. Mais là petit artiste ça non on doit ah ça c'est petit de tel lien, il pas caché ta là et là le chita. Yes. Si une bonne des sur YouTube là notre travail seulement demain si tu es petit nous c'est l'aide et coup de jet by petit nous les ouais maman papa pas ton utile hein c'est zin de vol fait bon c'est là c'est prank prank de vol fait en nous chercher cinéma pour plus jeune à tal plus jeune qui capable plus jeune qui gagne comme si dévouement plus capable apprendre plus capable faire ça rien pour cinéma avancer pour le suspendre pèse suspendre faire buzz pour tout le monde qui regarde cinéma pour aller avec un jeu positif que négatif là. Et n'a continué saluer le réalisateur JD et n'a tout invité tout le monde qui a regardé gauche au paysan aller sur channel John Ralph Henry pour regarder nouveau projet qui c'est Vengeance, donc son projet numéro 1 en fait là. Donc c'est gros posé, abonné, pas oublier activer la petite cloche notification pour qu'à tout nous joindre. Et bien feuilleton ça, pas oublier bientôt on dit mais c'est apparaître dans feuilleton typique apparaît tout ça les tout nèg yo et n'a saluer chaque grand monde qui a supporté chose ça Giacoma François Normine tout le monde net qui dans chose ça possible colo nous saluer nous monsieur chapeau bas pour nous en pile l'amour mais ça fait donc on est venu de nous project donc parlez moi de projet Vengeance des mamans. Vengeance des mamans de bon livre c'est on dit bien qui n'a qui écrit et c'est Vengeance de maman aujourd'hui en là penser au bon feuilleton qui parle de Vengeance de maman viens expliquer moi qui ça qui projet Vengeance de maman. Bon Vengeance de maman comme nous connaissons dans la littérature haïtienne Frédéric Masselin écrit Vengeance de maman et que Miles Offet nous écrit Vengeance de maman. Ça que me dit Frédéric Masselin écrit Vengeance de maman Miles Offet nous écrit Vengeance de maman c'est parce que et c'est eux même mais histoire là différente. OK. Histoire que Frédéric Masselin raconte dans la littérature haïtienne, nous-mêmes, en tant que comme réalisateur, en tant que producteur, en tant qu'écrivain, nous racontons une histoire qui est différente pendant ce temps nous prenons un titre littéraire. Là. Et Vengeance de maman, c'est une histoire qui est très belle, c'est une belle histoire qui raconte la réalité du pays, nous, qui raconte comme si ça que nous vivons dans la culture par nous en moment ça là, que nous considérons pas qu'être jeune, surtout à regarder, il n'y a pas de yes, en rien qui comme si qu'à déranger. Et moral au monde ensemble avec Jean. So, tout si monde qui a regardé projet ça, au contraire, on plus apprendre, on plus comme si et bah être en direction pour comprendre qui ça la vie en yé, qui ça que vous faites, qui ça pas vous faites, et qui l'est que au cas où sur en direction qui normal et qui l'est au cas où sur mauvaise direction. Bon, parce que moi j'ai seulement raconté histoire et une famille qui était dans pauvreté. Et puis après un moment, on a souffri, on a passé misère, on a quelques mois sur quartier, on a humilié. Et puis après un espace de temps, bon Dieu vient faire un comme si on récompense. Parce que on a toujours été sage, on a toujours bon lorsque les jeunes ont souffri. Qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit, pas faire ça, pas lui faire. Yes. Gardez toujours et tout positif. Parce que bon, c'est des jeunes qui n'ont pas de cœur, pas de courage. Pour mettre les gens à voir, les gens ont dit à la table, je suis dit à faire là. Ils n'ont pas de courage pour souffrir. Le fait que vous avez souffri et puis vous êtes capable de réussir, là où les jeunes ont off, vous choisissez mon off là, puis vous faites mal. Je vais placer ce message avec tous les jeunes de nos jours.
accepter souffrir avec dignité de monsieur pour qu'il réjouisse avec fierté. Bon bagaille. Si tu ne faut pas vouloir qu'il y ait dignité, dignité pour aller quitter. Parce que tu as un grand petit exemple, tu as dit Aristide te dit. Si tu ne pas qu'il y ait dignité, dignité pour aller quitter. Gardez dignité, gardez force, d'ailleurs, vous avez courage, vous êtes capable, vous êtes capable. Nous quoi nous travail voilà quoi notre tête battre tout l'amour avant mon applaudir applaudir tout bon n'importe ce qu'on fait ou applaudir avant mon applaudir ou applaudir tout d'abord parce que c'est tête pour moi mais avant pour mon même sous pas mettre tête tout monde pas jamais moi avant mettre tête et bonjour maman il raconte histoire famille famille qui était en pauvreté après un paquet de temps de souffrance il est venu gagner une richesse qu'il y a même monde qui t'a humilié. Mais les gens qui t'ont fait passer misé, les gens qui t'ont traité de chien, désolé pour l'expression, les gens qui t'ont traité de malpropreté, désolé encore, Kounia vle zanmi yo, vle posséder, vle réjouir de ça au vinaigre. Ça veut dire que son histoire qui raconte, accepte de souffrir de M. Jove pour même les gens qui t'ont dit qui grimace Jidi a fait là, qui grimace Jagin a fait là, on n'a pas rien pour le faire, qui grimace Marie Sophie a fait là, de M. Jove qui a dit oh. Que garde comme ça mais quand ah bah tout le temps nous allons travailler là des grandes visions des grands objectifs mais si on fait grimace nous allons dire que demain si Dieu veut même monde qui t'a critiqué yo demain si c'est dans pas grimace sous y a dit mais qui d'avoir ça pour en tout cas c'est histoire avant Jésus m'a raconté on conseille tout le monde monter sur channel moi qui c'est MFT production tapez bon Jésus maman à regarder épisode ça à regarder épisode yo alors ou ap satisfait ou ap vinn leçon de morale ou ap capable de plus fort ou ap capable de plus confiant dans tête bon bagaille et mais ça fait deux moi ça me supposé tout fini choix là après toute la vie que vous portez pour jeune ou même qui jeune toujours dit ça nous même nous pas faire un show quand on a chercher views donc c'est normal ou même qui en bas chose ça qui ouais la vie ça pour partager pour plus jeune capable nous pas bien arriver au niveau pour nous faire eh bien de show côté en réalité pour on nous dit à faire mon plaisir pour n'a faire que mon content jamais nous pas bien arriver dans niveau ça mais n'a faire un show pour nous mener jeune qui conscient jeune qui cagou même j'avais jeune qui connaît succès qui quoi li possible quelque soit photo sorti succès va dépendre de photo sorti c'est là mais sauf puis c'était bon parcours et bien jodi a li la et li pral aller plus loin toujours et bien mais sauf nous j'aime toujours on peut pas trop paquet conseil pour jeune nous on peut pas conseil pour nous tout pour regarder projet et m'encourager nous à regarder projet et nous connait depuis ça on connait dit bagarre là bon li bon a suivi et ce que ça va là quoi MFD production tapez MFD production sur YouTube là ou bien vous êtes devant et qui t'a dit mon tout nous gagne un nouveau projet qui nous pral laguer là qui est au goût c'est un fou movie que la vie au goût. C'est un film qui a 100% créole, 100% culture la caille. C'est au goût la pied. N'a pas monsieur ça n'a pas dans l'autre sens. Yes. Il va sous sens présentateur encore. N'a pas gros caméra mon JD tout cap et non staff technique là cap dans monde cap gérer et film ça. Et n'a demandé tout monde YouTube pour suivre et grand caméra mon ça c'est JD par mon équipe John Raffarie. Suivez-vous parce que vous avez un bel projet que la vengeance. Et moi-même, je garde la vengeance, je me garde trois fois. Je garde la première fois, je garde la deuxième fois tellement ça. Bon, et me dit ça. Bon. Vraiment, il fait nous mettons à garder, nous ne pas regretter la vengeance. Chanel, Ralph, Henry, nous avons besoin de bagages sous vous pendant ce temps après nos goûts. Et m'a profité pour me saluer. Bon, m'a tenu bon. Je vais tout aller, je vais tout saluer. M'a profité de saluer un paquet grand et m'a saluer Awaki. M'a saluer et staff, moi, MFD Production. Je salue tous ceux qui sont dans le dôme et je salue les cousins qui sont deux staff, Anderson Vidal, Dave, et je salue les managers qui sont pas ici, qui sont aux États-Unis. Je salue un paquet de monde, je salue maman tout, qui est un sponsor, qui est le premier monde qui a supporté le travail, moi, maman, chérie, en pile love. Je salue papa, je salue Sam, je salue tout le monde qui est dans le dôme, ma tante, cousine, famille, en soi. Je salue tout, tout fanatique, parce que c'est nous-mêmes. Qui accepte de partager, qui accepte de faire partager avec cœur, avec l'homme, avec l'amour, qui fait jouer aujourd'hui, bah, ce fait nous participer dans le jeune, dans le plus gros show, qui gagne, qui c'est SDK, ça vous connaît. Yes. Salutations, Bill. Si nous t'abîmes au monde, ce n'est pas parce que pas, qui on a un cœur, mais c'est juste pas monter dans l'esprit. Salut tout le monde, même ça crée mieux tout. Nous continuons de travailler pour ça crée mieux, venir même. Et vous, ça craint le mieux, vous n'aimez plus. Bon, bagaille, Marie Sophie Dno, c'est ton plaisir pour nous te gagner sur le plateau SDK Marie Sophie Dno. C'est ton plaisir.
Merci tout le monde qui t'a regardé le show ça. Donc c'est un plaisir pour nous avec vous, pour nous passer bon moment ça quand on t'a recevoir Maestro Fedo. Nous pas fini le show ça pour nous passer Africa 609. Ou même qui besoin monde, ou même qui besoin pour même qui besoin téléphone personnifié, checker Africa 609, c'est la référence. Donc c'est rendez-vous pour dimanche pour notre plus gros show. Pas oublier de suivre.